Bon matin mes petits Pikachu, c'est Demi-Sadique et j'espère que vous allez bien les amis. J'espère que vous êtes dans la forme, j'espère surtout que vous êtes prêts pour cette petite vidéo détente sur Overwatch les amis. Et aujourd'hui, l'heure est grave. Je tourne cette vidéo le 19 septembre 2017, soit la date exacte à laquelle D.Va et Ange, les changements chez D.Va et Ange ont été mis dans le jeu normal. Donc, moi qui n'ai pas le PTR, je n'ai pas encore pu tester les nouveautés chez D.Va et chez Ange. D.Va, ça va. Ces nouveautés ne me gênent pas. Ange me font peur. Donc, si on a l'occasion de la jouer aujourd'hui, j'aimerais bien la tester en direct avec vous, vraiment pour la première fois. Au début, quand j'ai ouvert le jeu, je suis allée en mode entraînement, je me suis dit que j'allais la tester là, et j'ai fait non, j'ai envie de la tester vraiment avec vous pour la première fois, donc du coup, j'ai fermé le mode, j'y ai pas touché. Donc, si on arrive à pick Ange, ça va vraiment être la première fois que je fais jouer la nouvelle Ange, donc on va voir ce que ça va donner, je sais pas comment on contrôle son ulti et tout, maintenant... je parle de nouvel ange sans nécessairement préciser ce qui a changé, mais son ulti, entre autres, a changé. Et là, je vais essayer de la pique. Elle est dans ce coin-là, là. C'est bon, ok. Donc, son ulti a changé. On ne peut plus faire des résurrections de masse, si puis-je dire. C'est rendu un E, donc c'est plus un ulti pour ressusciter quelqu'un. C'est la touche E. C'est une personne à la fois aux 30 secondes. Son ulti a complètement changé. Tu peux voler. Ton fusil a des balles à l'infini. Il tire plus vite, il tire plus fort. Tu peux heal plus de personnes à la fois. Bref, donc... Bon, pour ce qui est du heal, du fonctionnement du heal et du boost, ça n'a pas changé. Donc, mais vous pouvez voir en bas à droite que j'ai un E maintenant. Donc ça va me servir à ressusciter une seule personne à la fois avec un cooldown de 30 secondes. Cooldown qui descend à 10 secondes lorsque je suis sous ulti. Donc c'est ça, sous ulti je peux tirer comme une débile, comme ça, j'ai plus mes balles qui sont comptées. Je vole. Je pense, je suis pas certaine de ça avait fait, mais je pense que ma ressuscitation, ma capacité pour ressusciter est remise à 0 lorsque je lance l'ulti. Ou descend à 10 secondes, je suis pas sûre. Ça va être à vérifier. Je peux toujours voler vers les gens comme ça. Donc c'est surtout le E et sa possibilité de ressusciter les gens qui a changé. Donc on peut plus faire de res à x4, à x5 qui va changer complètement une partie. Donc ça, c'est fini maintenant. Bon, pourquoi j'ai suivi Orisa, moi? Donc, les anges qui se cachent et qui font plus rien, c'est fini. C'est complètement fini. Bon, c'est sûr que... Bon, moi, je vais encore avoir ce réflexe de jouer reculé. Et c'est un réflexe normal. Et là, faut que j'essaie de surveiller, en fait. Là, moi, si mon Macri meurt, faut que je le raise. Il est peut-être mort et je l'ai pas vu. Oui, il est mort, là. Merde. Allez, je reste ma Orisa. Je suis désolée, j'ai préféré Orisa à Macri. Je suis trop méchante. Oh non, mais c'est trop chaud comme choix à faire. Il faut que je préfère des gens maintenant. Moi, je préfère pas les gens. Moi, j'aime tout le monde, voyons. Bon, bah c'est fini, je reste plus Lienzo. Ah merde, je peux pas 13. Ma capacité n'est pas... n'est pas hop. Je viens de reste quelqu'un. Ah, mais ça va devenir frustrant, hein. Il y a des gens qui vont mal le vivre hein, si tu restes pas, si tu les restes pas eux. Ah! Purée! purée, je me suis fait avoir par l'autre ange. Et j'ai l'impression que l'ulti se charge un peu moins vite. Ah, son bras sur cette carte. En mode attaque, je suis pas sûre. Hein. Ouh! Ok. Bon, là pour l'instant ça va, hein. Ça reste du heal et tout, mais c'est juste... Faut reste de façon un petit peu plus stratégique. Et voilà. Et pourquoi son bras est là? Mais non, t'as plus besoin de soins. En fait, tout le monde est mort. Et faut être super proche pour Rez. Genre... Merde, j'ai pas pu de Rez. Ok, j'ai paniqué là. J'ai vu toute mon équipe morte et... Bref, ça va venir avec le temps.
c'est pas parce qu'elle a changé que je ne la jouerai plus, bien sûr, mais il faut juste s'habituer. Ça demande un certain temps d'adaptation parce que habituellement, c'est que tu heal, tu te caches, tu attends ton ulti. Là, c'est tu vas dans le fight et t'espères que tes coéquipiers meurent pas avant que t'arrives, quoi. Donc ça, ça change. Donc là, je vais aller res Maorissa, je pense. Parce que je l'aime bien. Je reste que Orisa, moi. Sachez-le. Je reste que Orisa, c'est ma préférée. Qui a besoin de soin? Putain! Ok, elle est là, Sombra. Mais tu veux que je fasse quoi, Sombri? Ah, oh, j'ai mon ult. Ok. Là, je sais pas du tout quand utiliser mon ult. Ça aussi, ça va être une nouveauté à apprendre. Quand utiliser son nouvel ult? Parce que là, c'est super différent. Hein. Aïe 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 aïe. Quand je ult, je sais plus. Genre là c'est pas le moment parce que quand je ult je ne gagne pas de vie. Donc là je serais morte. Donc il fallait pas que je ult là. Je vais revenir et je vais essayer. En fait ça sera au moins bien que je ult une fois avant la fin de la partie. Mais je sais plus quand. C'est perturbant. C'est un peu perturbation là. Putain et tout le monde meurt. Bon ça sert à rien que j'y aille. Je vais attendre que les gens reviennent. Allez les gens, revenez. Salutations. Un petit coup de fouet. Bon. Fatal. Ah merde, le faucheur a pris Fatal. Qui a pris Enzo. Ok, super. Là, tout le monde est en haut et pas moi. Ok, c'est bon. On va essayer de ult. Pourquoi c'est écrit A sur mon ult? Merde, elle est en ult, elle. Ça sert à rien. Il est lent en plus son ult, non? Aïe 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 aïe. Non, là j'arrive plus à rien. C'est de la... Ouh. Il faut... C'est un nouveau perso quoi. Reprenons depuis le début. Et là j'espère que mon ult... Pourquoi ça me stresse que ça m'écrive A alors que moi c'est Q en fait. Pour ceux qui se demandent, parce que je suis en QWERTY, donc du coup mon A me sert à tourner à gauche. Ah ! Allez ! Comment je vole ? Ah ! Je comprends pas trop comment voler ! Ok. C'est vrai que j'ai reste personne pendant mon ult. Et là, je vais crever. Ok, là, je vais... Okay, vous inquiétez pas. Après cette vidéo, je vais la rejoindre de mon côté avant de vous la refaire en vidéo pour vraiment m'habituer au style de jeu. Parce que là, c'est vraiment une première. Et je trouve ça assez perturbant. Là, j'ai pas été une très, très bonne ange. Donc, je pense que la prochaine, on va essayer la nouvelle Zilla. Donc, comme ça, on testera les deux nouveaux persos. Mais c'est une question d'habitude. Ça me fait rire. Ça me fait rire parce que j'ai été horrible. Mais horrible. J'ai déjà main ce personnage, je vous jure. Mais plus maintenant. Cette époque est révolue. Changé, fini, nada, y en a plus. Oh là là. Et dire qu'avant je l'avais joué pas mal et j'étais pas si douée. Hein, donc imaginez le topo, vous. Diva, elle... Ils ont descendu sa matrice. Donc sa matrice a moins de temps. Donc moi qui m'en sers pas, ça changera pas grand chose. Ou qui m'en sers presque pas, je pense que ça changera pas grand chose. Et elle peut lancer des missiles maintenant. Donc ça, je trouve que c'est bien. Parce que Diva faisait pas beaucoup de dégâts. Elle avait des armes à l'infini, certes, c'était un bel avantage. Mais ils étaient pas... ils étaient un peu moyens, quoi. Donc du coup, le fait de pouvoir lancer des missiles, ça peut être sympatoche. Donc je sais pas qu'est-ce que ça fait en dégâts, c'est quoi le rayon, la portée et tout. On va découvrir ça. Mais je pense que le changement est un petit peu moins perturbation que lui de Ange. Donc ça devrait moins paraître qu'elle est nouvelle. Mais non, c'est très drôle. Je suis contente quand même de l'avoir testé avec vous.
Comme ça, j'ai plus râlé avec des gens, sinon j'aurais râlé tout seul de mon côté et ma vie aurait été triste, vous voyez. Donc là, au moins, bah, vous êtes là pour que je puisse râler. Sachez-le. Grâce à vous, je peux râler. C'est la joie. Ma vie est joie. Elle est où? Elle est où? Ok. Go. Anthésie. Ah, c'est vrai, on avait eu ce skin-là ensemble la dernière fois. Cool, ça va être la première fois que je vais jouer avec ce skin parce que j'ai pas rejoué depuis la dernière vidéo. J'avoue que je joue pas beaucoup. Je joue pas beaucoup ces temps-ci à Overwatch. Hors vidéo là, je joue très 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 peu. Je fais autre chose. Oh là là là. Oh mais la hanche là. Je savais que le changement serait pas nécessairement facile à prendre en compte, mais ça va être quelque chose. Ok. Wouhou! Ok. Vous avez rien vu, ok. Vous avez rien vu du tout. Alors, ma matrice. Ah ouais, ok, ça descend super vite et ça recharge. Bon, ça va. Et là, c'est le E. Je vais devoir avoir le réflexe de faire le E. Ah, maintenant, elle peut tirer en volant. Non, ou ça, c'était déjà le cas. Je me souviens plus. Je suis un peu perdue, là. Je sais plus qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qui l'est pas. Non mais ça va super bien mon truc. Hein. Super, génial. Ouais bah le mien il est pas dur à battre. Hein. Pourquoi vous êtes si avancé? Je veux l'aider mais peut-être en fait que ça l'emmerde parce qu'elle voulait le faire par elle-même. Putain il est déjà presque mort lui. Elle se prend des dégâts de où là où ça? Ok, j'ai lancé des missiles, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, mais je l'ai fait. Oulala! Ok. J'ai pris cher un peu là. Merde, Orisa a trépassé. Ok, ça lance pas dans la seconde, il y a quelques secondes avant que... Ah, il y a une ange en face. Putain mais ça lui a à peine fait dégâts. Pourtant il se les est pris dans la gueule hein. Putain je vais crever. Adieu. Allez. Ah oh non je l'avais presque. Bon c'est bon. Orisa l'a HP mais j'aurais dû gagner ce duel. Mais il y a l'autre qui a intervenu là. Il avait pas le droit. Non c'est pas vrai c'est le... C'est le Genji qui m'a tué. Ouais moi aussi ça me gonfle. Ah là là. I'm so vénère. Cheval. Ok. Donc, les missiles, c'est bien. Je sais pas si c'est mieux de les utiliser de proche, de loin, ou quoi. On n'a pas de soigneur? Ah non, on n'a pas de soigneur. RIP. RIP à nous. Allez, il va arriver au dos le Kenji là. Moi je reste sur le point. Faut pas chercher là. Je mets mon tag, je reste là. Qui est sur le point? Ah, oh, c'était lui. Ok. Oulala. Là là. Je peux rien faire. Sans mecha là, je peux pas faire grand chose. Je suis tout seul. Ok. Ok. Lui il est mort. What? J'ai déjà perdu mon mecha. C'est moi cette ange. Ok, elle a fini son ulti. C'est déjà ça. J'ai entendu l'ulti mais pas fort donc j'ai cru qu'il était de mon côté. Oh là là. J'ai cru qu'il était de mon côté. J'ai pas fait gaffe. J'ai vu l'autre mourir sous mes yeux et
J'ai pas bougé. Je suis trop douée comme fille, en fait. Mais je suis vraiment géniale. Je m'aime. Rajino Kayokoe! Oh oui, j'ai tué le Genji. Vengeance. Vengeance de tout à l'heure. Le E. Ok. Il faut que j'y pense à E+, là, parce que c'est vraiment pratique et il recharge assez vite. J'ai l'impression qu'il prend super de temps à charger, mais pas du tout, quoi. C'est aux 6 ou 8 secondes, donc ça va, quoi. Faut que j'aille le reflet de E+. Si je vois quelqu'un, là... Je la vois, là, son bras. Merde, elle a eu de la chance, hein. Ok. Faut faire attention à la fatale, là. Et oh, mais ça paraît qu'on n'a pas de healer. C'est horrible. C'est quoi cette sombre bizarre qui a... C'est quoi ce faucheur bizarre aussi qui m'a pas tué? Ah, il y a eu la chance, le faucheur, là-dessus. Non. Ouh. Ah, la Russe arrête la diva. Non, elle a pas le temps, je refuse. Là, j'aurais dû E. Allez, j'ai E sur la fatale. Ok, la fatale est morte. Ouh! Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on est en train de s'en sortir pas trop mal? Ok. Son bras, je lui ai donné aucune chance. Ok, elle est morte. Il est où le dernier? T'auras pas le temps. Oui! Ok, ça va, j'aime bien les grenades. J'aime bien les grenades. Niveau matrice, moi ça me va, je l'utilisais pas tant que ça, donc j'en abusais pas. Donc du coup ça allait. J'ai fait qu'un seul ulti, mais l'ulti je pense qu'ils l'ont pas changé, donc voilà. Mais c'était cool! C'était cool, bon, oh, je vais vraiment devoir m'y remettre là, de façon sérieuse, parce que c'était n'importe quoi. Mais c'est une question d'habitude, j'arrête pas de le dire, je me répète, je fais juste ça me répéter, c'est l'histoire de ma vie. Oh regardez, je suis là. Je vote pour moi, parce que j'ai fait 11 victimes sur 18. J'ai pas vu ce que j'avais en médaille. Bref, c'est pas grave. Ah non, mais je vais le voir après. J'ai eu quoi? Ok, en fait j'ai eu que dalle. Ah oui! Oh, j'étais top kill quand même! C'est génial. Bon, bref. Nous, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas, comme à votre habitude, à laisser le bébé pouce bleu et le bébé commentaire. Et nous, bah, écoutez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des bisous.